ton maître, le tout-puissant docteur Blumhole. Écoute bien, voilà ce que tu dois faire. Demain, tu iras rendre visite aux pingouins. Ils ne se douteront de rien. Tu t'approcheras d'eux avec... Les pingouins, vous allez être épatés et surpris par mon lecteur de pensées. Lire les pensées n'est que pure science-fiction, comme les ovnis, les machines à voyager dans le temps et le tofu. Tu ne douteras pas bien longtemps de mon incroyable lecteur de pensées, tu peux me croire. Maurice, apporte-moi mon lecteur de pensées. Oui, votre majesté. Maurice, demande-moi quelque chose que toi seul sais. Bien. Et quel est l'ingrédient secret de votre smoothie du matin? Il y a un ingrédient secret? Attends. Je vais lire tes pensées pour le trouver. C'est la mangue. C'est délicieux. C'est un coup de chance, ça. Et c'est sur moi. Tu as une passion secrète pour les flammes roses et le tricotage de couvre-théière. Tu penses également que les sandwichs à la sardine que prépare Kowalski manquent cruellement de moutarde. Je lésine sur la moutarde, c'est vrai. Tout est vrai. Eh bien, maintenant que le secret a été dévoilé, il faut que je trouve un nouvel ingrédient secret. Non, tu ne changeras pas mes smoothies aux ingrédients secrets, Maurice. Il m'en faut un tout de suite. J'ai une mauvaise nouvelle, roi Julian. J'ai utilisé notre dernière mangue dans votre smoothie de ce matin. Non, tu mens. Dis-moi que tu mens. C'est vrai? Comment est-ce possible? J'ai enfin appris le secret des délicieux smoothies et maintenant il n'y en a plus! Vous trois, apportez-moi d'autres smoothies à la mangue! Sinon, l'ingrédient secret des smoothies aux ingrédients secrets ne sera pas le seul de vos secrets à être dévoilé! Vous avez entendu le roi, il lui faut quatre mangues. Normalement, on ne...